Salut les enfants, c'est Ryu. On se retrouve aujourd'hui donc sur la chaîne Neobank TV pour commenter du FIFA. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, en fait, normalement, je devais faire l'interview pro gamer avec Patrick Ramengan de son pseudo PlayStation, qui était un joueur en fait pro de la MP13. Il n'y a pas que lui, il y a aussi notre ami de classe mondiale, Planus64. Donc les deux phénomènes de la team MB13 en fait, au niveau de FIFA, c'est vraiment 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 quelque chose. En tout cas, je peux vous dire, quand vous jouez contre eux, c'est... Bon, le match que vous allez voir, de toute façon, voilà, c'est pas un match, on a fait un match transcendant ou quoi, mais qui est un match assez significatif quand même. Parce que moi, je vais jouer mon rôle à fond, vraiment... Le rôle, le jeu à l'italienne, jouer la merdeur de service en fait, et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vous en dis pas plus, on verra de toute façon tout au long de la vidéo. Pour vous parler du projet justement, parce que comme vous savez, la team en fait, c'est une team qui a accès Call of Duty au départ et tout ça. Et puis finalement, on a eu la chance d'avoir, à chaque fois, on a des joueurs extraordinaires qui et surtout des super mecs avant toute chose, c'est ça que je tiens à dire d'ailleurs. Ça vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que quand j'ai fondé la team en fait, au départ, genre on était quatre quoi, on était, il y avait moi, il y avait Thomas, Sauvage, Somsodo, Kempachi et Lucho. On a fait le truc quoi, on a fait la team sans savoir vraiment où on allait, on a fait ça pour rigoler à la base. Et puis ça a pris des ampleurs énormes. Chaque jour ça progresse, chaque jour ça avance, et je suis étonné chaque jour en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Et voilà, genre, au fur et à mesure, voilà, il y a des personnes qui sont venues, qu'au départ on ne connaît pas. Et voilà, c'est devenu que c'est des potes, quoi, c'est des amis, je peux le dire, c'est vraiment des gens extraordinaires, c'est des super mecs avant tout. Genre, bon, on a eu des têtes de con, je veux dire, comme de partout, mais les têtes de con, ils sont plus aujourd'hui. Parce que justement, c'est des gros branleurs, les mecs, entre guillemets. Mais bon, bref, passons. Et moi, ce que je tiens à dire, voilà, c'est que je suis fier vraiment de tous les gars qu'il y a dans la team. Et je tiens à leur tirer vraiment un coup de chapeau. Ils savent tous ce que je pense d'eux. Bref. Donc là, en fait, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo FIFA, FIFA 13. Surtout, ça prépare bien l'arrivée de FIFA 14, d'ailleurs, qui sera testé. Sûrement qu'on fera le test avec Patrick et Cédric, Planus et Ramengan, du jeu, quoi, pour le présenter tout simplement. Et là, je tenais à parler en fait de ce projet en fait, qui est tout simplement le projet e-sport FIFA de la team Neobank 13, où les managers, concrètement les big boss quoi, si vous voulez, c'est Ramengan et Planus. Ils ont libre arbitre pour gérer ça, et ils gèrent très bien d'ailleurs. C'est tout neuf, ça démarre, vous verrez petit à petit tout ce qu'il va y avoir dessus, et vous allez voir que ça vaut le coup de voir. Là je suis un petit peu dans les menus du FIFA, donc ça me laisse le temps un petit peu de vous expliquer le début avant de commenter le match. Voilà, ben, à la base je devais faire l'interview donc avec Pat et avec Cédric. Bon, on remet ça plus tard de toute façon, parce qu'on n'a pas réussi à se caler au niveau de l'emploi du temps à faire ce qu'il fallait. Donc ça de toute façon c'est que partie remise. Là aujourd'hui je vais vous présenter, dans cette vidéo je fais un match contre Ramengan en fait. Je vais vous présenter, ça permet de découvrir le joueur, qui, je répète, qui est un joueur, un pro gamer FIFA, qui a un énorme niveau, qui a été, bon moi vous allez voir, hein, le match, je veux dire, le score il ne me fait pas exploser, pourquoi, parce que moi à la base je suis joueur FIFA et je me débrouille plutôt pas mal. Et puis surtout je vais jouer vraiment, comme je vous ai dit, vous allez voir comment je vais jouer le jeu. Donc, vraiment pour couper le jeu quoi, entre guillemets. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas avoir un score extraordinaire de 10-0 où je me fais défoncer et laminer dans tous les sens. Donc il faut pas se baser par rapport à ce match là. Mais par contre le match peut servir de référence au niveau du jeu en fait, parce que quand vous allez voir le match, vous allez voir qu'en fait les deux mecs qui ont la manette dans les mains, c'est des mecs qui connaissent le ballon avant tout, qui connaissent le foot, donc stratégie, tactique, défense, attaque, possession de balle, etc.
pardon, excusez-moi. Et vous allez voir d'ailleurs quelque chose d'exceptionnel, c'est que là je vais commenter et je ne vais pas fumer. Ça c'est quelque chose d'unique, parce qu'en fait je venais juste de fumer juste avant. Et donc dans la vidéo en fait, on va voir le gameplay. Donc ça va être un match Tottenham Hotspur contre Liverpool. Liverpool parce que Ramengan il est tout simplement fou de Liverpool. Il adore son club préféré. Plein lui c'est Monaco en plus depuis qu'il a été racheté par les Ruskov. Donc il fait le fier maintenant parce qu'il se moque de moi par rapport à mon Olympique de Marseille de sang et de cœur et mon stade Vélodrome. Mais bon, même malgré les millions, j'y tiens à dire que mon club reste le club le plus populaire en France. Malgré le PSG et Monaco. Et que voilà, simplement, donc j'ai pas besoin de faire un topo de l'OM de toute façon. Voilà. Donc Pat, en fait, je vais jouer contre lui. Patrick, de toute façon, par la suite, vous verrez Ramengan, quoi, pardon, excusez-moi. Ramengan, son pseudo PSN, vous verrez, il est sur le forum, il a ouvert un tuto. Il a posté des posts importants en fait pour l'avenir justement. Et ça va continuer à se débloquer. Il y a encore des choses qui vont arriver et qui font leur apparition chaque jour. Si vous voulez dans la team, voilà, comme j'ai parlé précédemment dans une vidéo dans Dead Island, voilà, il y avait le projet Neo Bank Z, là maintenant il y a le projet FIFA, c'est chaque jour il y a quelque chose qui tombe de nouveau et de manière positive en fait. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a, comme je disais, on a des super gars et chacun qui s'investit, qui mouille le maillot, j'ai envie de dire, pour que ça avance, ça avance, ça avance. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le match, là j'essaie de rejoindre la partie, je crois que je vais avoir du mal, ou je sais pas si je vais y arriver, je crois que la session est plus en cours. Il y a un championnat qui s'est ouvert, il y a un championnat FIFA Neo Bank 13 en fait, tout simplement, qui va comprendre à peu près grosso modo 16-18 joueurs. Comme un véritable championnat en saison où chaque semaine il y aura un match en fait qui va se dérouler sur 3 jours dans le week-end, c'est-à-dire comme on voudrait, le vendredi, samedi, dimanche, avec un véritable calendrier, des scores, tout ça. Donc là il me fait interruption de jeu. Donc comme dans un vrai championnat tout simplement, et à la fin de la saison en fait, le champion titre, celui qui remportera le tournoi Neo Bank 13, deviendra lui. Tout comme le concours de l'arme d'or, en fait l'arme d'or c'est dans l'univers de Black Ops. Cette année on a eu la chance parce qu'il y a le sniper d'or qui est arrivé, il y a la révélation d'or qui est arrivée et l'ultimate warrior, comme le slogan, comme notre devise en fait, ultimate warrior, et au Ben 13 ultimate warrior, et qui gagnera le trophée ultime en fait. C'est 3 trophées majeurs en fait. En quoi ça consiste ces trophées? Ben, en fait tout simplement les garçons, cette année ou l'an dernier, ils avaient gagné la saison pass sur Call of Duty et tout ça, c'était tout début, c'était tout neuf pour nous. Cette année quand même c'est pour les deux premiers dans chaque catégorie, c'est-à-dire l'arme d'or, la révélation d'or et le sniper d'or, ils se prennent quand même le premier et le deuxième, le jeu Call of Duty Ghost qui sort au mois de novembre. Donc pour tout leur mérite et pour tout leur talent de gamer, voilà, ils se prennent le jeu Call of Duty Ghost pour le premier et le second. Celui qui gagnera le trophée de l'Ultimate Warrior, ça va être quoi en fait? C'est-à-dire, on va réunir les 3 trophées majeurs, puis on va faire un calcul total de points, et celui qui aura marqué le plus de points dans toutes les catégories comprises en fait, on apportera le trophée Ultimate Warrior. Le trophée Ultimate Warrior, donc ça sera, c'est une surprise qui est réservée en fait, donc comme cadeau pour le vainqueur. Enfin bref, ils verront par la suite. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un trophée Ultimate FIFA MB13, tout simplement. C'est un championnat, et à la fin du championnat, le grand champion rapportera le maillot de foot de son choix en fait, son club préféré, son nom tagué, sûrement floqué derrière le maillot, plus le jeu à venir de l'année prochaine, vu que le championnat ça va être sur FIFA 14, chaque saison ça va être sur un nouveau FIFA. Il remportera également le jeu FIFA 15 de l'année prochaine qui sortira. Le second, donc là ça y est, Pat il est en ligne, il est hors ligne. Donc le second par contre, donc remportera pas le maillot de foot, mais remportera quand même le jeu FIFA 15. Donc c'est pour vous dire que notre trophée team, c'est pas de la gnognotte. Ça c'est pour tout ce qui concerne les championnats. Là, donc là au moment où la vidéo elle va être publiée, sachez que ce dimanche,
25 août, il va avoir donc déjà un petit mini tournoi, vite fait, je sais, c'est pas grand chose, donc un premier petit tournoi qui va démarrer, c'est pour lancer les hostilités en fait, tout simplement dans l'univers FIFA. Et dans cette vidéo en fait, on va avoir un patch, je voulais dire Patrick, un match, j'ai un patch, d'accord, il est au top, ça c'est vraiment, j'ai besoin d'un patch pour arrêter de fumer, ça c'est un signe, ça, c'est la plus révélateur. On va avoir un match donc entre moi et Ramengan. Donc moi je prends les Tottenham Hotspurs. Pourquoi je prends les Tottenham Hotspurs? Tout simplement parce que bon, j'adore Gareth Bale, je tiens à le dire. Moi personnellement voilà, je suis un grand passionné de ballon à la base. Et c'est vrai que moi voilà, mes joueurs cultes, voilà, c'est Zizou, c'est Zidane, c'est Ronaldo le vrai. Pas le. Enfin, il est bon aussi, mais bon, je vais pas me faire des ennemis, mais. Voilà, le vrai, quoi, le brésilien, et Ronaldinho. Et je dois avouer qu'en fait, la période Messi, Cristiano Ronaldo et tout ça, bon, moi, je suis pas sur le cul. Je vous dis honnêtement, c'est pas, voilà. Pour moi, ils ont rien inventé dans le football. Et les 4 ballons d'or de Messi, on va dire, c'est un petit accident de parcours. Sans me faire encore des ennemis. C'est-à-dire là, je me fais des ennemis avec des fans de Cristiano Ronaldo et des fans de Messi. Mais bon, après, c'est mon avis personnel aussi, c'est par rapport à mon âge aussi, c'est par rapport à. Genre le ballon, ça m'a fait rêver pendant des années, je veux dire, ça me fait toujours rêver d'ailleurs. voilà, et d'ailleurs, vous voyez en arrière-plan, j'ai Neymar là, en arrière-plan, je veux dire, dans le menu jeu. Neymar aussi que j'attends beaucoup. Bon, il est frêle et tout ça, il est tout ce qu'il est type pour l'instant et tout. Je pense que ça va venir, parce que quand on voit quand même l'exemple de Ronaldinho, quand je veux dire, il avait débarqué, bon, il était un petit peu plus costaud, certes, mais je veux dire, quand on l'a vu un an plus tard à Barcelone, les mecs, ils se sont posé des questions, quoi. Je veux dire, ça, je m'inquiète pas pour la prise de poids de Neymar à son adaptation européenne. D'ailleurs, il y a un joueur que j'affectionne particulièrement aussi, bon, à mon grand dame, il est dans le club de la capitale, c'est Lucas, en fait. Moi, je vais pas vous parler de Zlatan ou compagnie, je parle de Lucas, tout simplement, parce que je kiffe ce joueur, et je pense que c'est un grand devenir. Et voilà, l'an dernier, il a été pas mal, et je pense que cette année, il risque d'exploser. S'il n'expose pas au PSG, de toute façon, je pense qu'on le verra très rapidement à Manchester United, ou un club comme ça qui le mettra au grand jour. Neymar idem, je pense qu'au Barça, il va se régaler, parce que bon, quand même, il est bien accompagné, quand même. Donc voilà. Je voulais vous parler de notre joueur de foot, donc je vais vous parler de Gareth Bale. Voilà, pourquoi Gareth Bale? Parce que moi, tout simplement, voilà, depuis la grande époque de mes idoles, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le joueur qui me fait triper. Alors, je vois, normalement, je pense qu'il devrait pas tarder à signer au Real Madrid. Il y a des folles rumeurs encore de transfert de 108 millions d'euros qui courent et tout ça. Bon, moi, je dois vous avouer que voilà, les transferts au jour d'aujourd'hui, dans le foot, ça me dérange un petit peu. Parce que je trouve quand même que c'est rigolo quand on voit Diego Maradona à l'époque, qui pour moi est le plus grand joueur de tous les temps, devant tout le monde largement. Genre quand on voit Diego Maradona à l'époque, quand il avait failli rejoindre, je me rappelle, l'Olympique de Marseille, quand il était à Naples, bon, ça s'était pas fait aussi, pourquoi. Il coûtait quand même 90 000 francs à l'époque, quoi, le transfert. Et quand vous voyez des joueurs, des dindons, sortis de nulle part, qui se prennent des salaires faramineux. Alors attention, moi je suis pas en train de critiquer les salaires de joueurs, c'est pas du tout mon genre. C'est bon, j'ai mérité, chaque travail mérite salaire, je suis le premier à le dire, mais c'est vrai que c'est exagéré, quoi. Quand on voit un mec comme Samuel Eto'o qui se barre à Tchétchénie là-bas en Russie, parce que tout simplement pour 20 millions d'euros, que le mec il a 29 ans à la base quand il est parti, genre 29 ans, quand vous êtes un joueur de foot, vous avez encore 4 ans au niveau à jouer en face de vous, je trouve que c'est un peu du cachet. Bref, passons sur les salaires, les transferts, les footballeurs. Juste pour vous dire que Gareth Bale, voilà, je kiffe et j'espère vraiment qu'il va aller au Real Madrid. Pas parce que je suis fan du Real Madrid, pas du tout. C'est juste parce que le Real, justement, ça va lui permettre d'exploser vraiment. De le mettre vraiment en apothéose et de pouvoir enfin. Parce qu'à Tottenham, malheureusement, quand vous jouez à Tottenham et que vous jouez au Real, vous n'avez pas le même statut au niveau de France Football. Et je pense que c'est un des tiens vraiment le. Je dirais un des meilleurs, voire le meilleur joueur du monde, le futur meilleur joueur du monde, Gareth Bale. Bref, donc c'est pour ça que j'ai pris Tottenham Hotspurs, en fait, pour faire honneur à Pat aussi, parce qu'il prend Liverpool. C'est une grande fan de Liverpool et de Steven Gerrard et enfin, tous les Reds, quoi. Voilà, et c'est tout à son honneur, parce que Liverpool, c'est une des plus grands clubs qui peut exister. Donc j'ai pris les Spurs. Donc là, vous allez voir la formation que je prends au départ pour jouer contre lui. Je me mets à 5-4-1. Je vous explique pourquoi. Ouais.
Parce que quand je joue contre des joueurs quoi, comme là on entend à un moment donné Pat là, il a parlé parce que moi je capturais la vidéo, il était avec moi, donc ouais, c'est sûr qu'il était avec moi parce qu'on fait le match ensemble. Mais après il a coupé le micro par la suite parce que moi je pouvais pas. Je suis chiant, je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Donc en fait, quand je joue contre des mecs comme Rikshu aussi, hein, je joue à FIFA, il est très fort, Rikshu qui est un alien en fait dans tous les jeux. J'ai jamais vu un type pareil, c'est genre un mec qui n'est pas normal, il est cheaté. Je joue à FIFA aussi, pareil, il a un jeu de dominant, c'est-à-dire la possession de balle. Pas la possession de balle en défense, hein, comme vous pouvez voir pas mal de mecs en ligne qui s'amusent à posséder le ballon dans leur défense. C'est vraiment quoi, ils vous étouffent. C'est vraiment des adversaires qui vous étouffent. Les mecs qui savent ce qu'ils font avec le ballon, ils savent ce qu'ils font, ils savent maîtriser le jeu à la perfection. Et voilà, donc quand je joue contre les mecs comme Rikshu, comme Ramengan, comme Planus et tout ça, enfin, les monstres quoi, grosso modo, c'est vrai que moi voilà, je joue le Catenaccio à fond, je joue à l'italienne et j'ai la faculté en fait, titre personnel là-bas, ça va, je veux dire, je me débrouille vraiment plutôt pas mal à FIFA, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui peuvent témoigner, et j'ai la faculté de bien défendre, j'arrive vraiment à gérer ce système, je sais qu'il y a des mecs qui n'arrivent pas à gérer la défense, ils ont du mal avec ça, ils ont du mal à se faire étouffer et tout, souvent ils se prennent pas mal de buts un derrière l'autre. Moi j'ai vraiment cette faculté à gérer le jeu défensif parce que j'adore ça et jouer en contre vraiment un contre impitoyable. Voilà, le match est parti, donc Pat lance le ballon. On va commencer à commenter le match en direct. Donc là ça joue à une touche de poil. Donc là il fait tourner, il commence à faire tourner, là regarde, vous allez voir petit à petit il va s'installer dans le match là. Voilà, là il commence déjà là clairement là, il domine son sujet. Il sait très bien ce qu'il fait, là, le ballon est sorti. Là, je récupère le ballon. Et vous allez voir, en fait, deux oppositions de style, vraiment. C'est-à-dire le jeu à l'italienne, le Catenaccio, quoi. Fermé, triple tour et tenter deux trois coups avec des attaquants. Moi, j'ai un système de jeu, en fait, qui me permet, j'ai pas besoin des Lionel Messi ou des Cristiano Ronaldo dans ce jeu pour faire ce que j'ai envie. Moi, vous mettez une Cavani ou un Pippo Inzaghi, des mecs comme ça, voilà, sur une corner, sur vraiment un truc de renard de surface, vraiment sur un coup, sur un contre, je peux faire mal. Et là, vous allez voir Pat qui domine, là, clairement, je veux dire. Et moi, en fait, je rentre dans ce jeu, je me laisse vraiment dominer dans le match. Parce que si je rentre dans son propre, dans son propre délire, c'est-à-dire d'essayer de jouer le ballon, d'essayer de faire ce qu'il fait, et ben c'est le meilleur moyen pour moi de me faire avoir quoi, de me faire exploser tout simplement. Parce que quand vous jouez contre un joueur dominant comme ça, vous essayez de jouer le jeu comme lui pour pas entre guillemets pour pas accepter entre guillemets le système défensif quoi, de rester en arrière, et ben c'est le meilleur moyen de vous faire avoir. Là vous allez voir, il va essayer par tous les moyens, là bah, par exemple là, il fait un joli centre. Dégager encore par la défense, et là vous allez voir, hop, tac, ça joue en une touche de balle. Je veux dire, je joue vraiment en contre. La Gareth Bale qui cherche pour le ballon, et là je me crée une occasion. Bon, évidemment, le centre il est récupéré par le gardien, par Reina. Donc là, il est récupéré avec Coutinho, Suarez sur The Wing, ça tourne bien. Glenn Johnson, une flèche. The Wing, ça revient dessus. Stoudridge, très rapide. Là, il essaie de rentrer, il n'arrive pas. Donc là, je me pose rapidement. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis pause. Un peu plus, je crois. Ah oui, je crois qu'il y avait un problème avec les gâteaux. J'avais plus de place sur le disque dur. Donc il fallait rapidement que je vide le disque dur en l'espace de 30 secondes et de pouvoir continuer la vidéo. Donc là, on est en pleine pause. Là, ça repart. Hop, là, je récupère. Avec Sengrusson, le suédois, tac, on repart. Lennon, c'est une flèche. Là, on va essayer de. Là, il bloque bien, il défend bien. Gareth Bale, là, je l'ai mis en attaquant, clairement. Je l'ai mis carrément en attaque, en pointe, parce que c'est un alien, tout simplement. Steven Gerrard, ça tourne bien le ballon, au milieu. Là, on va voir dans le match quand même, Steven Gerrard qui est pas en forme, en fait. On va dire là, on voit Alex qui se connecte, qui se reconnecte. Coucou Alexandre. Voilà, je profite pour le dire, je crois que je vois un de nos amis se connecter sur le bassin, je lui fais un petit coucou dans la vidéo. Voilà, donc là ça tourne bien, là vous allez voir, vraiment clairement je touche pas un ballon, quoi. C'est vraiment c'est de la récupération, t'as quelques contres, tac, ça,
Ouais, parfaite la passe. Hop là, moi j'essaie de contrôler en fait ma défense avant Ballon tout récupéré par et puis de Ibrahim. tenter des coups. Et là, Patti, de toute façon, vous voyez, hein, c'est une possession Anderson. totale. Vous allez voir à la mi-temps la possession de balle. Là, il a essayé de mettre un sale truc, il n'a pas réussi. Voilà, là il Ballon contré sur les récupère. 8 maintenant. Ah, ils ont Il gère parfaitement très bien joué. son milieu Ils de ont terrain tapé et sur son ce attaque en fait. contre. Mais Ouais, il ballon va qui fait la constamment sortie. buter sur ma défense. Voilà, là regardez. La sortie de but. Là, je sais pas si vous avez remarqué, ça a été volontaire de ma part. C'est pas un accident, ça a été Très volontaire de bien ma part. joué. J'ai poussé en fait à faire en sorte qu'il puisse, que c'est lui qui sorte le ballon, quoi. Et vous allez voir d'ailleurs, je vais retenter le coup dans le match. Donc c'est vraiment c'est vraiment Ils ont un abandonné. match, même je veux Ballon dire très pour tous avancé. les amateurs de ballon, Ballon je veux dire, offert. hormis le FIFA. Après tous les gestes C'est un techniques. match, c'est une leçon de foot entre guillemets ce match pour moi. Il est pas super Angélique. spectaculaire pour certains et tout ça au niveau score et tout. Mais Lucas. justement, c'est la cohésion Ballon en parfaite en fait de anticipation sur cette montrer un jeu passe. offensif, un jeu à la barcelonaise, je viens de vous le dire, et un Ballon jeu à l'Inter de Milan de José Mourinho. D'ailleurs, la fameuse cette occasion de bien sortir. Une frappe en tête bien négociée par demi-finale ou Ibrahim. finale, je sais plus. C'était une demi. Je sais plus, c'était la demi-finale ou finale, bon, qu'on a vu il y a 2 ans ou un an en arrière, je m'en rappelle plus. Coucou en Égypte, de se connecter, déconnecter, donc voilà, coucou en Égypte, Ballon pour j'ai Stevenga. promis, je le fais. Alors, Ballon sur cette là, on va occasion. voir, là, c'est vraiment Oh, il du souhaite la bien. 100% attaque-défense. Et vous allez voir, en fait, deux Une mecs, sortie de but. donc Ramengane, qui gère très bien sa gestion de balle, sa domination offensive et tout, c'est ce qu'il fait, le mec, je veux dire, Bien c'est pas un remonté. poivron qu'on a mis derrière une manette Je sais pas ce qu'il fait, il sait très 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 bien Très bien. jouer. Moi je peux vous dire quand vous jouez contre lui, il est vraiment intelligent. Oh, Il a une voilà, vision c'est du déjà jeu. passé. Planus d'ailleurs c'est la même chose. Ballon. Planus il est un petit peu plus foufou dans ses actions. Mais Pat voilà, c'est vraiment le Bien zizou quoi. remonté. Je veux dire, il a une vision du jeu, c'est ce qu'il fait. Là vous allez regarder, hop, tac, tac. Mais le problème qu'il va avoir, le problème c'est le Ballon Ryu. vers Parce que le Patin. Ryu, il sait jouer, Ballon en fait. récupéré. La défense à la perfection, j'ai envie de dire. Et vous Dembélé. allez voir d'ailleurs quoi. Je vous dis rien, je vous dis pas plus. Le but, là on est à la 37e minute. Le Ballon pour but qui va Stevenga. arriver en fait, eh bien comme dans le vrai football, quand vous jouez contre une équipe qui joue ultra défensif, votre seule possibilité, c'est sur un coup de pied arrêté. Ballon pour Liverpool, voilà ce Et but. vous allez voir une chose, c'est-à-dire si c'est pas Patrick qui est en face de moi, Ramengane, je peux vous garantir qu'un autre joueur, ce Lucas. qui va suivre dans le scénario du match. Eh ben, il serait très très mal parti. Parce que comme je vous ai expliqué, moi je joue en contre, et je joue vraiment en renard de surface, ouais, mais L'action qui sur se des coups poursuit. quoi, je tente des Patrick coups, Vieira, finalement, il revient dans le camp. défendre comme un dingue, et Et puis cette tenter des coups, statistique d'Ibrahim Traoré, possession les marquée, quelques ballon coups que je peux contré. avoir, c'est tenter des coups. Eh ben, si Ramengane, là, par exemple, je dis pas le but, ça va être quoi, là on voit à 67% de possession de balle, c'est énorme. Mais vous voyez très bien que c'est moi aussi qui rentre dans le jeu, hein. Je laisse Possession faire. Vieira. Parce que pour moi, c'est le meilleur moyen justement d'essayer de contrer entre guillemets la furia de Liverpool. Gain Johnson, Et ballon contré par vous allez Ibrahim, voir, ballon si contré c'est pas Ramengane qui est en Stevenga, face de moi, ballon chose qui récupéré arrive par Ibrahim. souvent, je veux dire souvent quand je tombe en saison à FIFA, je tombe sur des joueurs qui sont dominants comme ça, mais qui ont, si vous voulez, ils ont pas les nerfs solides. Souvent, qu'est-ce qu'ils font après quand ils arrivent pas? Ils butent tout le temps la défense. Et encore une fois de plus, ils butent contre la défense. Ballon bien sorti Qu'est-ce de qu'ils font? Ils peau. commencent à tirer de Ballon loin. Et récupéré par malheureusement, quand vous Ibrahim. commencez à tirer de Ça loin, fait comme dans le corner. vrai ballon, ça veut dire que vous savez plus trop ce que vous faites Ballon revient et que possession vous êtes mal barré entre guillemets. 45 première minute. Là, on arrive à la première mi-temps, donc vous allez Ballon voir les contré par Ibrahim statistiques. Bourne. 0-0, Ballon peu très d'occasion très pour peu d'occasions. Ibrahim. Voilà, il y a une Sifflet occasion de partout, insistant. un tir cadré. Ah, c'est ça, mais ça, Et c'est anecdotique. voilà, je veux dire, si c'est pas Ramengane qui est en face de moi, là je tente un petit coup, là, pour la merder. Là, je veux dire, s'il débloque pas la situation telle qu'il va la faire, de manière magnifique, je vous dis Stevenga. juste ça, c'est un Ballon but perdu. splendide. Je dirais un autre joueur, il aurait buté, Ballon buté, qui est bien buté, jusqu'à repoussé sur ce que je centre. lui fasse mon fameux coup, ma fameuse technique. Moi, je suis un joueur Ballon qui marque perdu mais encore beaucoup. En fait, si vous avancé. voulez, vous ne me verrez jamais Petite pause marquer historique dans la pour première remettre le mi-temps couple. des FIFA. Parce que marquer contre un joueur comme Ramengane dans la Ousmane première mi-temps, ou comme Dembélé. Planus, ou comme Ballon Rexou, dans la poussé première en mi-temps, longueur de ligne après une frappe excusez-moi le tentée terme, par c'est un Ousmane. bésodrome assumé, Ballon assuré. récupéré. C'est-à-dire, le mec, vous allez lui planter un but, et ben automatiquement, vous déclenchez chez le joueur une espèce de folie, et Ballon vous en contré. prenez 4 derrière. Donc moi, vous ne me verrez mais jamais, jamais fatiguer mes joueurs Ballon en récupéré première par mi-temps. Ibrahim. Je joue à fond la défense. Là quand même c'est une action dangereuse, là je crois qu'il y a même faute, et ben voilà, la fameuse faute elle arrive.
Et regardez ça, ce petit chef-d'œuvre, on est à la 51e minute, il voit que ça il se bloque tout le temps quand on le dépasse, et boum, voilà, c'est magnifique. C'est signé Luis Suarez, c'est signé Ramengan. Regardez, voilà, la parfaite, si vous voulez, la perfection du football, j'ai envie de dire, quand vous n'arrivez pas à voir le score contre une équipe qui a une défense fermée, le meilleur moyen, c'est que vous puissiez arrêter un corner ou un coup franc. Le problème, c'est que les coups francs, il faut savoir les tirer. Et c'est pas tout le monde qui sait le faire. Donc, lui, il sait le faire. Et grâce à ça, il débloque le score. Alors, vous allez voir que moi je vais un petit peu me changer ma façon de jeu. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus offensif. Pas plus offensif, mais en fait, d'essayer d'être... récupérer le ballon un petit peu plus haut. Donc, je laisse toujours la possession de balle. Je veux dire ça, c'est... Il n'y a pas à chier, je veux dire, c'est ma stratégie et ça ne changera pas jusqu'au bout. Il y a un moment donné, je vais faire quand même un petit changement de stratégie. Parce qu'en fait, moi, voilà, ma façon de jouer, si vous voulez, hop, là, je tente un petit coup, ça passe pas, c'est contré. Ma façon de jouer, en fait, c'est bien défendre et tenter des contres. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais le truc, c'est que tenter les contres, là, par contre, c'est dangereux. Là, je pense qu'il aurait mis la tête et je prenais le 2-0 direct. Hein. C'est-à-dire, première mi-temps, vraiment, là, jouer à fond en défense. Et en deuxième mi-temps, en fait, à un moment donné, ben, généralement, je fais ça vers les 65e minute ou 70e minute. Je change ma formation, en fait, je me montre plus offensif. Vu que mes joueurs, en fait, dans FIFA, il faut savoir une chose, c'est que dans FIFA, vos joueurs, en fait, voilà, vous savez, je vais pas vous apprendre FIFA, ils se fatiguent, je veux dire, comme en vrai. Et quand vous avez une équipe qui s'est pas énormément tuée, on va dire, en première mi-temps, et que vous passez, vous êtes dans une stratégie défensive, donc, automatiquement, ils sont pas très fatigués. Si vous passez de votre joueur comme Pat, hein, je vous parle, hein, comme des joueurs comme ça, qu'on peut avoir, hein, je veux dire, vraiment les bombes, quoi, les monstres, j'ai envie de dire. Là, hop, il tente un petit coup. Mon gardien était présent. La stratégie, vraiment, je vous conseille, moi, c'est de voilà, jouer défensif. Et à un moment donné, passer en offensif vers la fin du match. Et là, de toute façon, je veux dire, de toute façon, vu que vous perdez le match, ce que vous risquez au pire des cas, c'est de vous prendre le chaos, c'est-à-dire de prendre le deuxième but. Ou justement, le fait que vos joueurs, parce que lui, c'est le fait à force de garder le ballon, il se dépense, il se fatigue. Là, il s'est encore buté, je veux dire. Comme vous pouvez voir, dans les phases de jeu, je veux dire, il domine. Mais c'est vrai qu'arriver dans les 20 derniers mètres, voilà, ça passe pas. Là, ça a été dangereux quand même, parce que là, Steven Gerrard, d'habitude, il met des mines. Là, on est à la 67e minute, donc là, regardez. Changement de stratégie. Je passe en 3-5-2, je crois. Ouais, c'est ça. Je passe en 3-5-2, c'est-à-dire, si je joue offensif à 100%, je passe en 3 défenseurs. Je tente le coup pour pousser jusqu'au bout, en fait, tenter ma chance, quoi, essayer de revenir au score. Gagner le match, non, parce que voilà, déjà, il faut essayer de revenir au score, mais tenter mon coup. Là, je fais une petite modif, je passe Bale en 10. Lennon, je le mets en attaque parce que c'est une flèche, tout simplement. Je joue sur ça, je joue beaucoup sur les joueurs rapides. Là, je le passe, hop, je pense que je vais rentrer Jermaine Defoe. Au départ, je mets des brouillards, mais finalement, je préfère m'attaquer en Jermaine Defoe. Donc là, je mets Jermaine en attaque avec Lennon. Je pense que ça va très vite avec Bale derrière en 10. Et je vais tenter mon coup à fond. Là, voilà, j'ai rien corner, il y a des jets pour moi. Mais comme vous pouvez voir, en fait, il n'y a pas énormément de joueurs de Liverpool présents dans la défense. Pourquoi? Parce que mes joueurs sont omniprésents au niveau défensif. Même si là, ça aurait pu passer aussi. Donc là, on repart dans le match. 67e minute de jeu. Et là, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais essayer. Et vu que mes joueurs sont en forme, en fait, en plus, il y a Jermaine Defoe qui vient de rentrer en jeu, qui est tout neuf. Il y a des possibilités. Il y a quelque chose à faire contre une équipe qui est ultra dominatrice. Une équipe de Liverpool, vraiment, qui a une possession de balle énorme dans ce match. Là, on va repartir. Jermaine Defoe, premier ballon. Donc, il récupère. Je tente d'entrer. De monter en attaque, hop, je reviens sur moi-même, mais je pars le ballon et récupère mes jouets. Gérard pour Coutinho, Enrique, Serge Mandel sur Glenn Johnson pour Sterling qui va, je pense qu'il va frapper, boum, et voilà, mon gardien, c'est le deuxième coup qui me sauve, mais je joue mon gardien quand même dans le match. Sur le coup frais, il ne peut pas faire grand-chose. On revient sur le corner en direct, c'est Sandro qui le tire, le Brésilien. Le terrain de la CSAO et hop là, elle a fait ça a failli encore passer. Et heureusement pour moi, Skretel n'a pas mis sa tête. Là, on dégage le ballon de fou sur de fou, Jermaine de fou qui s'est pas réussi à bon, les petites tailles en même temps, c'est difficile. Avec un partenaire.
Ah, Messi, voilà, qui est super cheaté dans le jeu, je veux dire, c'est facile de récupérer des ballons de tête, mais c'est vrai que c'est pas tous les joueurs de petit gabarit qui peuvent avoir les ballons de tête. De la Gérard qui fait son petit festival, Lucas a été, le milieu défensif de la CSAO, très bon milieu défensif d'ailleurs, je tiens à le dire. Alexandro qui essaie de défendre Lennon pour. Hop, si je récupère, ça peut être pas mal. Hop, j'essaie, je tente le coup. C'est difficile quand même, parce que là, voilà, il fait tourner le ballon quand même. C'est vraiment. Ça tient à rien. Ça tient vraiment. Ça tient à rien ce match. C'est un match qui tient à rien, surtout face à un joueur aussi extraordinaire que Pat. Ça tient à rien. Vous verrez de toute façon bientôt une vidéo avec mon ami Planus. Dans un autre match épique. Un petit Monaco-Marseille. En fait, on fait honneur parce que monsieur est supporter de Monaco, moi je suis supporter de l'OM. Donc la meilleure des choses à faire c'était de faire Monaco-Marseille. Donc vous verrez le prochain gameplay FIFA, ce sera avec Planus. Et je vous promets d'ailleurs les fameuses interviews qui vont arriver. Là je tente un coup, je rentre dans la surface, boum le tir. Hop, je mets un danger. Hop, et là regardez, boum. J'ai pas de chance, faut dire ce qui est. Et là, par contre, c'est danger total. Et regardez, but qui arrive. Voilà, Germain Defoe, 86e minute. Renard de surface. J'ai tenté le coup, j'ai essayé mes coups. J'avais 15 coups à jouer, c'était celui-là. Et ben, c'est à la fin du match. Regardez, Gareth Bale, boum. Il relâche. Et je reprends. Et c'est dedans. Et je reviens dans le match. Donc, je pense que ce match, qui était un match nul, pas un match nul, il y a certains qui vont jouer le jeu de mots, mais qui va comment je vous dis maintenant, il va se terminer en 1-1. Je trouve que c'est une parfaite démonstration du football offensif et du football défensif en fait, parce que vous voyez deux joueurs qui ont vraiment deux oppositions de style, deux façons de jouer. Là regardez ce qu'il vient de faire, c'est magnifique Suarez, et là voilà, il a tenté quelque chose de magnifique, difficile à réaliser mais magnifique. Dans cette faculté, je trouve que le meilleur joueur d'un FIFA à ce niveau-là, ce qui vient d'essayer de tenter la patte avec Suarez, je trouve que c'est Agüero. C'est vraiment le roi des nems. J'appelle ça les nems, moi, les enroulés, là, les feuilles mortes de Maradona. Je trouve que Agüero, vraiment, ben, d'ailleurs, c'est pas son niveau pour rien. Il est vraiment, genre, moi, je sais que j'aime même pas qu'il est, quoi. Les feuilles mortes comme ça avec Agüero, c'est du tout cul, quoi. Voilà, là, il continue à pousser. Gerrard, il tente, il s'est repoussé. Là, je vais essayer de quand même tenter un coup, mais bon, voilà, je dirais il est concentré aussi sur sa fin de match. Là, je réussis quand même à récupérer, mais bon, ça récupéré par Aguerre. Aguerre qui envoie sur Enrique sur Lucas. Et voilà, on arrive à la fin du match. Donc, 1-1 entre Liverpool et les Spurs. Donc, Germain Defoe d'un côté et Luis Suarez de l'autre. Je tiens à dire un grand bravo à monsieur Patrick Ramengan pour ce match, et moi-même je tiens à dire parce que je ne me suis pas fait défoncer l'arrêt du train comme c'était prévu, j'ai réussi à tenir mon choc. Voilà, on a pu voir un petit peu du gameplay FIFA, on a pu voir découvrir Ramengan. Voilà, à qui je devais sortir servir de victime à la base, et puis finalement monsieur s'est rendu compte que le Ryu n'était pas si mauvais que ça à FIFA. Alors on regarde le petit shader, hop là, magnifique, et là on voit le but, excusez-moi l'expression, vraiment je m'en excuse, le but de salope, c'est-à-dire le but de renard des surfaces. Voilà, là on va pas refaire évidemment le match parce que on avait programmé qu'un seul de match à faire. Donc voilà, grosso modo là, on a vu on a pu découvrir Ramengan dans ce match. Après voilà, je vous parle d'autre chose, donc n'hésitez pas à faire un saut sur le Fofo, vous tapez NeoBank 13 sur Google, tout simplement, vous allez voir le lien qui vous mène directement au forum, et grâce à ce lien, quand vous allez sur le forum, vous allez voir en fait que sur le Fofo, il y a la possibilité de s'inscrire, que les recrutements sont toujours possibles. Bon, je vous cache pas qu'au niveau Call of Duty, on est plus qu'au top, parce qu'il y a vraiment au jour d'aujourd'hui une structure, il y a vraiment des aliens. Mais sachez que sur NeoBank Z, justement, le zombie et FIFA, justement, c'est tout frais. Je tiens à saluer le grand travail de Ramengan et de Planus pour le projet qu'ils ont mis en place. Bravo les garçons.
Et pareil pour Lonnie Obenzet, pour Valinja, José et Faisal. Donc, vous avez des recrutements. Ils attendent que ça. Ils attendent des joueurs qui ont du niveau. Ils attendent des mecs passionnés pour le zombie, des mecs passionnés pour le ballon. Et il y a un championnat qui est en cours. Il y a des compétitions qui vont avoir lieu, des concours en cours de mois, pendant toute l'année, l'année prochaine et vice-versa. Donc vous avez largement, là on va rester sur le menu pause un petit peu parce que je vais pouvoir vous terminer la vidéo tranquillement. Donc on va rester, ne vous inquiétez pas, on va rester à la fin, je pense qu'on aura plus même à caler encore un demi-match, mais chose qu'on va pas faire, pour me permettre le temps de parler. Donc dans les prochaines vidéos, donc on trouvera des interviews individuelles en fait de joueurs pro de la team en fait, qui font partie de l'e-sport, qui font les compétitions au niveau et tout ça. Donc vous verrez les joueurs Call of Duty, vous verrez les joueurs FIFA, les joueurs Gran Turismo à venir. Je l'annonce pour le Gran Turismo 6, il y a un projet Gran Turismo 6 qui se prépare, et d'ailleurs je lance une annonce. S'il y a des gars sur cette terre, tout comme les garçons formidables que j'ai rencontrés, sachez qu'il y a une place pour vous pour le Gran Turismo. Donc s'il y a des passionnés de bagnole, il y a des passionnés de Gran Turismo, on va faire quelque chose d'énorme aussi autour de Gran Turismo, tout comme ce qu'on est en train de faire autour de Call of et de FIFA. Donc n'hésitez pas les mecs, vous avez un forum, vous avez mon PSN série ou 13GG6, ou je pense que vous avez vu, c'est écrit en minuscule, c'est pas compliqué, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez une demande d'amis, vous m'expliquez quoi là, vous voulez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pas faire. Je suis preneur, je sais écouter les gars, je sais discuter avec eux de projets, des mecs intelligents qui savent, qui ont envie de faire quelque chose, qui y croient à ce qu'ils font, surtout c'est très important de croire à ce qu'on fait, parce que si on n'y croit pas, ben on est mal, et on n'y arrivera jamais à rien, tout simplement. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne Gran Turismo. Je pense que de toute façon par la suite, selon les rumeurs qui courent pour l'instant sur la PS4 et la Xbox, on va en parler un petit peu aussi, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que voilà, la team elle est toute, on a un an quoi, je veux dire dans nos bagages, même pas quoi, je veux dire au mois de novembre on fera un an, c'est-à-dire c'est vraiment tout neuf quoi, on a eu la chance d'évoluer rapidement, et maintenant justement on essaie d'être sérieux et concret. D'ailleurs c'est pour ça je veux parler un petit peu de nos partenaires, parce qu'ils nous font confiance justement pour ça, parce qu'on essaie de mettre vraiment du sérieux, une structure vraiment pour réussir, avec une bonne ossature, avec un capitaine, qui sait gérer le bateau et qui est pas seul, parce qu'il y en a plusieurs justement des capitaines, et chacun se s'occupe de son domaine, et c'est pour ça d'ailleurs il y a des mecs qui gèrent chacun son truc quoi, je veux dire, chacun il a son truc à gérer dans la team, et c'est ça qui est formidable, parce que ça permet d'avoir vraiment une cohésion, et d'avoir, si vous voulez, des garanties pour le futur qui nous apporte un professionnalisme, on va dire, de la part, juste d'avoir un état d'esprit en fait, il faut avoir un état d'esprit et c'est très important. Donc voilà, parlant de FIFA, donc vous verrez dans les prochaines vidéos, comme je vous ai dit, des interviews, des gros matchs, des gameplays, des matchs en compétition, également pour du Call of, vous verrez des team scrims, vous verrez des matchs de compétition, surtout e-sniping, énormément de projets. Je fais un grand coucou à mon ami Dragon Slayer Paul, si tu m'entends, mec, très content de ton retour, vraiment très très content mec, sache-le. Voilà, tous les mecs qui savent que comme je les apprécie individuellement, vous savez comme je vous adore les garçons, et vraiment je suis content parce que si tu veux, voilà, ça évolue. Je m'adresse directement à Dragon, ça évolue ces derniers temps, c'est vrai que voilà, tu pouvais pas trop être là, c'est pas ta faute, et là je suis vraiment content parce que là si tu veux la baraque elle est vraiment au complet, la famille est réunie et on est prêt à tout défoncer et à tout écraser sur notre chemin, évidemment avec le respect des adversaires. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est le respect, c'est toujours quelque chose que j'ai inculqué à tous les gars qui sont arrivés, d'avoir un respect pour l'adversaire et surtout de se respecter entre nous. Ça c'est très très important. Malheureusement, comme je vous ai dit, il y a des abrutis qui l'ont pas compris dans le passé, donc du coup c'est bon débarras. Voilà, donc compétition, cette vidéo est consacrée vraiment au monde compétitif, c'est pour ça, je veux dire, c'est pas comme les autres vidéos, je veux faire des tests de jeu ou quoi que ce soit pour se détendre, pour rigoler,
pour prendre un plaisir avec vous. Là, je voulais vraiment vous parler de ça. Voilà, c'est et il y a quelque chose qui est en train de se faire mettre en place aussi. Bon, je vous en parle à chaque fois, mais je ne détaille pas plus que ça. Le MB for Gaming, en fait. Le MB for Gaming, concrètement, on a fait ça. Bon, je ne vous le cache pas, c'est basé sur du For Win, c'est basé sur du Dessert of France. On a mis un site en place, en fait. Pour l'instant, qui est juste, en fait, un site d'information, mais qui commence à prendre forme, en fait, avec les inscriptions et compagnie. Car bientôt, on va rentrer dans le vif du sujet sur ce site, en fait. Ça sera un site, donc, comme les For Win, comme ce que vous voyez dans les For Win, en fait. Vous arrivez, vous inscrivez, vous participez à des tournois. Des tournois avec des lots à gagner, des cartes PSN, des manettes Burn, enfin voilà, on n'est pas partenaire Burn, hein, c'est nous, hein, je veux dire, c'est des merdes pour faire ce qu'il faut pour. Attention, il faut bien le faire pour pouvoir avancer, c'est comme ça que ça passe par là. Donc, MB4 Gaming, ça va consister à ça, au départ. Mais évidemment, le projet, en fait, c'est, je vais vous en parler un petit peu dans la vidéo, justement, je vais en profiter pour vous toucher un mot. Il y a un gros projet qui est en train de se présenter, en fait, qui sera pour décembre 2014. Qui se tiendra au Parc Chanot de Marseille, en fait. C'est pas de la gnognotte, c'est un gros salon, un gros LAN. Et c'est nous-mêmes qui sommes les organisateurs, c'est pour ça qu'on est en train de se battre chaque jour pour avancer. Il y a un gros projet, c'est un salon, donc MB4 Gaming, tout simplement, qui se tiendra au Parc Chanot de Marseille. Pourquoi Marseille? Pas parce que je suis marseillais, j'ai pas fait exprès de choisir. Tout simplement parce qu'on a la chance, Marseille, c'est devenu la capitale de la culture au jour d'aujourd'hui. Et justement, pour tous les gamins, tous les gosses qui rêvent des garçons comme Gotaga, je vais pas faire le mec, je vais pas parler de Gotaga dans les sens, moi, pour faire le mec, le fan de Gotaga ou quoi, parce que voilà, je suis pas un gosse, j'ai le double de son âge quasiment. Genre, c'est pas, mais par contre, c'est un gamin, moi je tiens à le dire, c'est un gosse quoi, là, qui a la vingtaine. Moi je dis c'est couille, excusez-moi l'expression, parce que contrairement, je sais pas, moi je vous donne un exemple, hein, tout le respect que je leur dois, B12 et tout ça, je veux dire Karim et tout, bravo mec pour tout ce que tu fais et tout ça d'ailleurs, parce que ça fait avancer les choses. Mais voilà, genre, bon, moi je veux dire, moi je fais la même chose un peu que. Je suis dans le même état d'esprit plutôt qu'un MV12 à titre personnel, c'est-à-dire moi, voilà, bon. Partager quelque chose, ma passion avant tout avec vous, et c'est ce qu'il fait. Il est très très bien parce qu'il se casse le cul le match, je le vois, et on prend beaucoup d'exemples sur lui. Mais voilà, Gotaga, je tenais vraiment à lui tirer un grand chapeau à ce mec, parce que si vous voulez, c'est le garçon qui a donné, si vous voulez, la possibilité de faire rêver des millions de gosses dans le monde, des millions de mecs, je veux dire, qui sont passionnés de jeux vidéo avant tout, qui leur a montré qu'on pouvait poser ses couilles dans cet univers, qu'on pouvait réussir, qu'on pouvait...